Amigapa, militants et militantes, nous n'avons pas beaucoup de temps. Tout comme nous, vous vous refusez au sommeil dogmatique préparé par nos élites. La confiance que vous aviez envers nos institutions publiques s'est effondrée. Une à une, vous récupérez les pièces de votre existence mentale et votre dignité. Vous remarquez aussi que vous n'êtes pas seul. Chaque jour, des spectateurs de l'information deviennent des acteurs de l'information libre et nos rangs se gonflent. Vous êtes prêts à vous battre. Écoutez bien ce qui suit. L'emprise des médias de masse sur les moyens de produire et de diffuser l'information demeure puissante, mais leur poigne se desserre. Bien sûr, ils possèdent un réseau tentaculaire. Mais nous aussi à présent. Citoyens, citoyennes, nous sommes ce réseau. Nous avons désormais le pouvoir d'imposer nos préoccupations dans l'espace public. Remarquez, d'ailleurs, comment ce pouvoir est décentralisé. Cela doit demeurer ainsi. Ce pouvoir, nous souhaitons le garder. Nous devons continuer de surveiller les médias traditionnels, ainsi que le discours de nos élites économiques et politiques. L'analyse, la critique, l'enquête citoyenne et le fact-checking sont des activités exigeantes, toujours à renouveler. Néanmoins, il est primordial que de l'information critique de qualité circule et soit disponible pour tous et toutes, à tout moment. Il s'agit d'une des portes d'entrée principales du réseau de l'information libre. Sans porte d'entrée, notre autonomie est un piège qui risque de se refermer sur nous, de nous isoler. Surveillez les médias, donc, contre-vérifiez leurs sources, leurs études, leurs chiffres. Il vous faudra repérer leurs sophismes, vous indigner de leur propagande, oui, mais aussi vous inquiéter de ce dont ils ne parlent pas. Pour cela, vous devrez continuer de fréquenter les médias alternatifs, citoyens, indépendants. La révolution, chers amis, ne sera pas télévisée. Lorsque vous estimez avoir affaire à des cas de malhonnêteté, d'abus de pouvoir et de désinformation, alertez vos médias citoyens. Alimentez-les. Par nos partages et nos retweets, nous diffusons et consolidons le réseau de l'information libre. Il existe des connexions que vous seuls pouvez établir. Commentez aussi ce que vous partagez. Votre voix est une plus-value inestimable, susceptible de faire la différence. Chaque publication est une occasion de pédagogie, de viralité. Il existe un chemin vous ayant conduit jusqu'ici, jusqu'à cette vidéo. À vous maintenant d'ouvrir d'autres chemins. Enfin, nous vous invitons à vous saisir vous-même des armes communicationnelles. Elles sont là, accessibles, gratuites, à portée de clic et de main. Créez vos propres images, vos propres textes et vos propres vidéos. Votre imagination a désormais le champ libre. Tout est encore à faire, tout est à inventer. Vos médias citoyens seront heureux de partager avec vous leurs expertises et d'accueillir les vôtres. Surtout, souvenez-vous, rien ni personne ne peut s'opposer à la vérité, la liberté et la justice lorsqu'elles sont réunies. GAPA. Surveiller. Diffuser. Combattre.